vous appelez quoi, des Congo, je veux parler de ce qui arrive au Congo. D'accord, parce qu'il faut qu'on traite avec la reine de la côte au Congo. Chikamche. Comment? Il faut qu'on traite. On a donné un nom bizarre là. Tu connais ça, ce que j'en ai parlé? Son nom. Oui, je connais. Il y a une histoire de. D'une femme. On l'appelle souvent Chikamche. Tikamchi, ça veut dire quoi Tikamchi? C'est une sirène de la mer de la côte de Pointe-Noire. Oui. C'est elle qui contrôle votre pays. Voilà. Il faut qu'on traite avec. Quand j'étais à côté du fleuve Congo, quand j'étais à Pointe-Noire là, bon, on va y arriver. On va y arriver. Dans la mer, tu peux voir des activités commerciales qui se passent là-bas. Hein? Bon, le frère a dit que c'est la parole. Alors, deux choses de prophétie. Le style où tu vois la chose, tu viens parler. D'accord? Donc, d'après ce que nous sommes de voir là, comme David le dit, si vous regardez le psaume, tous les psaumes, il chante seulement. Donc, quand il prend sa guitare, il commence à chanter. Vous pensez qu'il chante comme ça là? Cantique de ceci, d'accord? Chant de David sur les degrés. Quand il prend le. Pour les musiciens d'aujourd'hui, il prend les paroles. Où ils écrivent les paroles, ils essaient de chercher en vers, en mélangeant. Après, ils peuvent chanter. Mm-hmm. Mais là-bas, il prend la guitare, lui, il chante seulement. Donc, quand il prend la guitare, l'onction, là, celui commence à parler. Mais quand il parle, est-ce qu'il entend même lui-même ce qu'il entend de dire? Quand vous entendez, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi sur mon trône, parce qu'il fasse tenir son mariage. Il sait qu'il en est parlé du Seigneur, mm-hmm. Le Seigneur Jésus, là. Mm-hmm. Et Jésus vient, il dit, non, t'as dit que, et donc, si donc, le Messie est. Le fils de David, comment, pourquoi l'appelle-t-il Seigneur? Donc, il dit que c'est de lui dont on parlait là-bas. Mm-hmm. Pourquoi l'appelle-t-il Seigneur? Lorsque, comment David, animé, il dit, animé par le Saint-Esprit, l'appelle Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Mm-hmm. Donc, David chantait sous l'onction du Saint-Esprit. Donc, sous l'onction du Saint-Esprit, des choses peuvent être sorties de la bouche du Saint-Esprit parce qu'on en a parlé. Voilà un exemple. Mm-hmm. Deux sens de prière, vous voyez, la voix de parler. Deux sens de prière. Parce que les décisions que vous avez se passent en haut. Donc les décisions que vous, qui se passent ici se prennent en haut. Donc les gens que vous voyez, que les gens que John Fundy, laissez-le, oubliez-le. Il est partant. Il est non partant. Qu'est-ce qu'il peut bien faire au pouvoir? Alors donc, après ceci, je reviens à la maison. Quand je mets l'enseignement pour pouvoir couper là où les enfants bavardent, je mets, j'écoute. J'entends ça, John Fundy, non partant. Chérie, oui. J'ai parlé de John Fundy, quand on enseigne alors. Il dit, oui, tu as parlé. C'est étonnant. Je suis d'abord laissé de mon ordinateur devant nous, je suis resté tranquille comme ça dans le monde. Regardant devant nous, les gens présentés maintenant en 2018. Mais c'est John Fundy ici, là. Il n'a pas de problème. Vous voyez le problème que je vous ai parlé des raisonnements là, non? Mm-hmm. Donc, quelqu'un passe par toi, il parle sans raisonnement, alors que ça passe par ton cerveau. Après, quand tu écoutes, ton cerveau entre en action. Tu cherches quoi, frère? Mais je ne sais pas avoir ton téléphone. Oui, je sais. C'est pas ton téléphone que tu cherches là? Non, je dis sur le téléphone pour la première. Ok. Comment pas ça? Tu vas l'appeler. Non, mais le téléphone, tu gardes dans le sac, frère. Dans le sac. Non, pourquoi on ne peut pas m'appeler ou déranger? Je ne sais pas si vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, donc, il y a des choses que tu peux dire sans te rendre compte. Et donc, quand tu dis comme ça, sans te rendre compte, non, ce n'est plus toi. Alors, ce que tu dis avec ton intelligence, comme Paul l'a dit, qu'on peut prier avec l'intelligence, tu sais ce que tu viens de le dire. Tu vois un peu cela, n'est-ce pas? Donc, quand vous entendez, on dit par exemple, comme dans 1 Corinthiens 11, 14, il dit que je veux prier par l'esprit, je veux prier par l'intelligence. Ok. Maintenant, voilà l'esprit qui a parlé. Est-ce que c'était en langue? Non. Voilà. Donc, c'est parlé, l'esprit parle. Maintenant, s'il dit, je crois qu'il faut qu'on ait deux ans de prier. Je sais ce que je viens de dire, il dit ça, c'est mon intelligence. Mais quelqu'un est passé par là, toujours en français, parlant sans que ce n'est pas mon intelligence. Tu vois cela? Mm-hmm. J'étais étonné. J'ai regardé mon femme. John Fundy, comment ça non pas? Les gens présentés dans 2 ans. Mm-hmm. Mais normalement, tout le monde sait que chaque présent, il doit se présenter. Mm-hmm. Mais il a dit non pas. Et moi, maintenant, j'attends aussi, maintenant, voir comment ça va arriver. Et puis je suis. Et un soir, je vois le jeune homme. John Fundy, non pas. Il est bougé comme ça là sur la tête. Non pas. Qu'est-ce que vous ensemble alors? Si c'est toi, tu fais comment? Donc tu vois la complexité dans laquelle nous nous trouvons et la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Bon, maintenant si ça fait comme ça fait 2 ans. Si ça n'a pas encore attendu 2 ans, on dit non, John Fundy, non pas tant. On voit toujours faire là ses activités. Non pas tant. Mais la voix dit que non, que il est pas tant. Ça veut dire que
Tu vois ça, il est partant. Là, il peut vous expliquer, mais sans parler. Il est partant. Il est partant. C'est pourquoi il est non partant. Parce que Moïse quitte la scène. Ok. Qu'est-ce que toi tu as vu dans le livre? Ah, d'accord. Ok. Vas-y, prends-toi. Donc, quand on sera au Congo, plaise au Seigneur, il faut qu'on fasse certaines choses par rapport à votre pays également. Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la forêt. Je crois que c'est un général ici. C'est quelqu'un de l'armée, comme un dissident. C'est quelqu'un qui crée le problème, mais il a les troupes plutôt dans la forêt. Donc, c'est pas ce qui se passe. Il faut que Dieu réveille leur esprit. Comment, frère? Dans le poule. Ça, c'est le Congo Brazzaville, ici, dont je parle. Ça, c'est le chef souvent dans la forêt, quand je pense. Il est dans la forêt. Bon, en tout cas, je suis en train de regarder. Ça, c'est le groupe. Il y a un groupe militaire dans la forêt. Donc, quel qu'en soit le cas, même si on prend de bonnes décisions, ils n'en veulent pas. Ça doit changer. Mais il faut qu'on parle sur le Congo. Il faut pas sur le Congo. Oh, Congo! Oh, Congo! Écoute la voix de Dieu. Le soleil s'élève sur toi. Alors, si le soleil se lève sur le Congo, regarde ça, regarde le soleil. Si le soleil se lève sur toi, Congo, comme ça se lève de ce côté-ci, ça veut dire que Dieu veut établir sa justice. Dieu veut établir sa justice. Il veut éclairer le peuple congolais de Brazzaville. Doit se reposer. La souffrance là, on en a un marre de sang. On en a marre de sang dans les forêts. On en a marre de sang, d'accord, frère? Oui. Dans le Congo. Dieu parle sur le Congo. Dans le soleil, symbolise la justice, n'est-ce pas? C'est pas moi qui dis, c'est moi qui dis ça. Je sais pas, c'est ça. Parce que je me rappelle également, j'ai dit au frère que j'ai fait un songe où il y a eu des séries, mais ce que j'ai seulement retenu, c'est que j'ai vu le soleil se lever de ce côté-ci. C'est ça, non? Je ne sais pas si je me rappelle bien. Mais tu peux rappeler le ventilateur là. Le soleil s'est levé de ce côté-ci. Oui. J'ai vu comme si le soleil qui se lève comme ça. Après, à un moment donné, quand le soleil s'atteint, sans zénith. Oui. Après, comme ça, c'est comme si ça disparaît, mais avec la lumière. Oui. Après, je me suis réveillé. Voilà, parce que c'est fait pour éclairer, d'accord? Mm-hmm. D'accord. Mm-hmm. Donc, c'est la restauration du Congo qui en est arrivée. Le régime va changer également là-bas. Je crois que ça change. Vous, ça change, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors toi, dis-nous donc, tu as dit tout à l'heure que tu as vu des choses sur le pays. Après, on va toucher la soeur là. As-tu pour le Cameroun? On t'a posé la question. Regardez un peu le roi Saül. Il prenait un peu le roi Saül et pour regarder ses amis. D'accord? On suivait Saül dans sa jeunesse, en train de jouer avec ses amis, ses camarades. Ils savent qu'ils sont en train de jouer avec le roi. Ils ont fréquenté la même école ensemble. Tu as remarqué ça? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont fréquenté avec le roi? Non. Un de ces jours, ça arrive que Saül va chercher les ânes. Dieu prend les ânes pour le royaume. Est-ce qu'il y a une mission? Dieu prend les ânes. Pour diriger le royaume. L'histoire du roi Saül. Non, on n'entend pas la parole. Il éteint ses voix déjà sur le trône là-bas. Ok. Donc, le soleil se lève sur le Congo. Le soleil se lève sur le Congo pour briller, afin que les ténèbres disparaissent. Quand ça va se lever, vous savez, quand l'eau se lève vers le, comme si c'était dans l'eau, comme si le ciel tombe avec l'eau, ou regardez à l'horizon, c'est comme si le ciel et l'eau se touchent. Ça se lève là-bas. Et puis les entités vont quitter. Quand on comprend toutes ces choses-ci, on commence à comprendre que dans le pays, on ne doit pas lutter contre les gens. Parce que c'est les ténèbres qui gouvernent. Dans le moment où Ésaïe chapitre 8 va s'accomplir aussi sur le chapitre 8, verset 20, 22, et puis chapitre 9, verset 1 et 3. Le peuple qui était assis, ce peuple après de la mer, voit une grande lumière sur eux, dont la lumière s'élève. Le Congo. Voit cela, ça s'élève. Il voit une grande lumière. Et Dieu fait comme ça, il place ses enfants, qu'il leur a préparé. Il les place là-bas. Comment ça va venir? Attendez. Donc quand tu vas entendre que le président Sassou Nguesso est malade, commence à suivre ton pays maintenant, est-ce que le Seigneur fait, d'accord? D'accord, frère? Voilà. As-tu vu, frère? Oui, comment? Bonsoir au Maroc! À la cuisine, bonsoir Maroc. Voilà, bonsoir. Allons-y.
Frère, qu'est-ce qu'il avait dit? Il y a tellement de choses qu'il y a vu sur le Cameroun. Non, non, on a déjà parlé de. Le frère de Mbembe a dit de processus qu'il a vu contre nous, mon pays. Donc il veut qu'il nous dise ça. Non, mais l'une des choses qu'ils peuvent dire, c'est par rapport aux prophéties que tu dis souvent sur le Cameroun. Donc tu ne vas pas prendre ma part. Laisse ma part tranquille. Dis ta part. Est-ce que tu veux prophétiser quelque chose? Dis-moi alors. Si, concernant par exemple la détresse, tout ça là, plusieurs fois le Seigneur me l'a montré. Oui. Par exemple, une fois, je me rappelle, dans un songe, il y avait des civils qui s'attaquaient entre eux. Les hommes en tenue étaient là, ils regardaient, ça ne faisait rien, tout le long de la route. C'est-à-dire, c'était la violence partout, mais l'armée et la sécurité était là, ils s'en foutaient quoi. Oui. Ils ne faisaient pas l'erreur. Tu sens, eux-mêmes d'abord, ils n'étaient pas dans l'esprit, ce n'était pas la paix quoi. Ils voulaient le changement. Oui, le changement. Donc les hommes en tenue voulaient aussi le changement. Oui. Un temps, ils ont laissé faire que les gens c'est. Il y a le trouble au milieu du peuple, eux-mêmes ne voulaient pas me laisser mêler de cela. Ils ne voulaient pas se mêler. Ils regardaient tout simplement comme ça. Mais il y a aussi un autre songe, de quoi vient d'un songe concernant toujours celui qui est récent, parlant de la détresse là. C'est par exemple, ça, j'ai fait ceci avant que tu ne poses toi-même l'enseignement sur où tu parles, où tu dis. Les militaires contre les militaires. Dans le son, c'était à la poste centrale de Yaoundé. Vers le Hilton là, le grand rond-point là. Il y avait des civils qui avaient des plaques, je ne sais plus ce qui était écrit là-bas, qui marchaient, qui réclamaient. Et entre temps, il y avait les militaires contre les militaires, face à face, un peu de part et d'autre. Il y avait du monde. Et puis, je ne sais pas, moi, je cherchais à passer. On était sur. Une espèce de voiture que je ne peux pas expliquer, mais nous on voulait passer. Bon, on avait du mal à passer, je pense qu'on n'était que des hommes. Hein. On devait être 3 ou 4 comme ça, je ne sais pas trop. Bon, moi je pense qu'on a décidé que non, on va marcher pour éviter peut-être que les gaz ou bien les projectiles d'eau là, que les pompiers lancent, que les anti-émeutes là, lancent là, nous touchent. Bon, nous on a dit au type, parce qu'on avait une espèce de voiture, je ne sais pas. Ça faufilait. Oui. Qui avait, tu vois, un peu les jouets des enfants là, qui est plat là, avec les quatre roues là, mais qui roulait. Puis le chauffeur a dit qu'il va rouler, il va nous prendre de l'autre côté. Bon, nous on a faufilé, il me voit seulement téléfaufiler comme il parle là. Et puis on est monté sur la voiture, on est parti. C'était quand tu te trouvais à l'intérieur de ce moment là, c'était de la peur. Parce que les militaires avaient les armes. Et les militaires avaient les armes. C'est que les songes là, je ne les ai pas trop notés, mais j'en ai fait des songes concernant beaucoup de choses concernant le Cameroun. Mais j'ai fait un songe aujourd'hui. Depuis là, j'essaie de savoir où c'est. Parce que le lieu, je ne vois pas. Mais je sais seulement que dans le songe, c'était dans un stade. On était dans un stade. Bon. Je ne sais pas si c'était dans le stade ou pas, mais les gens sont sortis du stade. C'était des jeunes. Bon, apparemment, ce qu'on a gagné, essayer de, comme on voit sur les supporters de foot là, non, essayer de frapper les autres, ou bien les insulter, tout ça. C'est devenu maintenant une guerre de quartier. Maintenant, il y a eu maintenant le quartier qui avait gagné, avait frappé le quartier qui avait perdu. Et apparemment, eux étaient proches du stade. Ils sont allés même dans leur propre quartier les frapper. Et puis, ceux qu'on est parti les frapper là-bas, comme c'est dans les quartiers, ils sont sortis en masse. Et ils sont. Ceux qui frappaient, ils ont commencé à prendre la fuite. Maintenant, ils sont arrivés dans les quartiers. Dans les quartiers, maintenant, c'était carrément un quartier fait de la terre. C'était mouillé. Comme c'est un temps, ces gens pleuvaient, c'était mouillé. Ils étaient tellement nombreux. Je me souviens seulement que j'étais dans une maison. J'étais d'abord dehors. Et puis j'ai fui parce qu'ils sont venus. Ils étaient nombreux avec des armes. Moi, les amis, il y avait, tu vois, les poignards, les couteaux, c'était carrément une bande. Ils venaient pour tuer carrément toute la jeunesse de l'autre côté-là. Ils sont arrivés, quand je les ai quittés par la fenêtre, je vois toujours la ligne, ils formaient une ligne, genre comme ça là. Comme si c'était des montagnes, des petits montagnes, ils étaient en dessus, ils formaient un truc comme, il peut dire, comme un point d'interrogation. Oui.
Moi, j'étais dans un trou, je regardais. Et puis, subitement, ils cassaient toutes les portes. Ils sont entrés dans la maison où on était. Subitement, ils sont arrivés, ils arrêtaient les gens qui étaient là. Moi, je disais simplement que je n'appartiens à aucun clan là. Les clans là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans vos clans là. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Et ça fait qu'on attrape. Hein? On attrape quand même. Il y a un jeune qui est venu. Il a commencé à dire que non, je ne suis pas de ce clan-là. Il a compris. Sauf que dans les guerres de groupes là, quand l'autre se finit pas, celui qui vient là, il ne connaît pas que non. L'autre a jugé que tu n'es pas bon. Lui, il veut te faire du mal. Quand il vient maintenant pour me faire du mal, il dit que mon gars, moi, je ne suis pas de vos groupes. J'avais très peur. J'avais très, très peur. J'ai prié à l'intérieur de moi que, mais Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Empêche ici. C'est aussi ce que je pense. Et puis, subitement, il y a eu maintenant leur leader qui est venu. Apparemment, il ne sait pas s'il y avait les Rasta ou pas. Il est venu. Apparemment, c'était le chef bandit. Alors, quand il est venu comme ça, tous ont commencé à. Bon, il s'est dirigé vers ceux qui se sentaient comme ça parce qu'il y avait aussi un autre gars. Mais ils ont arrêté le gars qui était à côté de moi. Là. Et puis, il vient me voir, il dit, je n'appartiens à aucun de ces clans-là. Je n'ai pas de clan. Moi, je ne suis pas dans vos machins là. Et puis, il m'a bousculé dans un caniveau comme ça. Il y avait l'eau glissée là. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais de la peur parce qu'il voulait me faire du mal. Il faisait du mal à tout le monde. Il voulait seulement tuer les gens. Ça vous a créé que pardon. Dis, quand tu parles comme si tu disais. Non, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et puis, c'est dans ces pleurs que je me suis réveillé dans les pleurs. J'ai dit, son frère Machi. C'est les pleurs là qui me réveillent. Ta femme était où? Je me réveille avec pleurs. Elle était à partir au travail. Non, t'as laissé lui sur le lit, tu pleurais. Frère Machi, je t'ai dit que c'est où? Est-ce que j'ai même tout raconté? Parce qu'on lui a dit qu'on devait le raconter sans chemin. Mais je lui ai quand même dit que j'ai pleuré. Dans le sens qu'elle fait. Mais tu comprends que ce sera faux ici au Maroc. En tout cas. Quelles sont tes paroles avec toi là que j'ai compris ça? Tu as vu la société, elle est même fuyée, non? Il n'y a vu personne, c'est moi qui connaissais. Parce que généralement dans les songes, le Seigneur, ça te donne toujours un lieu sur lequel tu peux t'appuyer pour savoir où tu es. Mais sauf que dans le songe ici, il ne peut pas affirmer qu'il était ici, il ne peut pas affirmer qu'il était dans un autre endroit. C'est pour ça qu'il me posait d'abord la question que, mais ça, c'est. C'est quels sont, ça veut venir de ce que on attend, c'est ici. Et comme tu dis souvent, quelle est l'impression que j'ai eue premièrement? C'est ça que j'ai eu, que ça, peut-être ça peut venir de celui-ci. Donc, le trouble arrive ici. Mais sur quelle base m'appuyer? C'est vrai que ceci a dû arriver rapidement. Mais frère Junior, tu sais pourquoi je n'ai pas affirmé que ça pourrait être ici? Parce que c'était rien que des noirs. En fait, c'était les noirs qui attaquaient les noirs. Ça veut dire que c'est une tension qui va naître entre les groupes noirs ici. Et peut-être on s'est même fait qu'on a pas plus nous. Je n'ai pas vu le frère Mesh là-bas. En tout cas. Mais vous qui êtes à Tanger là, vous êtes en danger. Parce que Tanger, si on avait danger. C'est pas ça va, frère? C'est vrai, mon frère. Sinon, concernant le Cameroun, là, c'est juste ce qu'il ne me rappelle pas trop. Mais pour dire, à chaque des prophéties que tu dis souvent, c'est comme si tu viens confirmer ce que le Seigneur me montre concernant le Cameroun. Sœur, y a-t-il quelque chose aussi pour le pays? Pour le pays, là, c'est beaucoup. Hein? Mais ça va toujours dans le même sens, mon frère. Oui, dis toujours. Toujours dans le sens des troubles, le sens de la guerre, le sens de. Le départ du président, le nouveau président. Son départ comment? Qui va partir, lui? Il va quitter la scène. Physiquement et. Okay. Bon, ça va plus dans ce sens-là. Mais parmi tous les. Ce qu'il y a de nouveau dans ces types de pays-là, c'est que je ne sais pas si la guerre de Bakassi, c'est déjà fini. Parce que
je me vois toujours en train de vivre la guerre dans une zone marécageuse. Mmh. Oui, ça fait presque 3 fois. Je suis toujours dans une zone marécageuse en train de vivre la guerre. Mais c'est pas, non, c'est pas obligé que ce soit la zone des Bakas. Ça peut être notre conflit frontalier encore dans la zone marécageuse. Tu vois, une fois de plus, c'est comme nous disions ici. Elle voit et puis heureusement commence, n'est-ce pas? Mm-hmm. Elle dit que voit la zone locale, elle commence à penser à Bakassi. Puisque Bakassi, c'est la seule zone où je connais. Donc désormais, quand vous voyez quelque chose, dites ce que vous voyez. N'essayez pas de dire est-ce que ça peut arriver, est-ce que. Dites seulement. Il faut laisser s'exprimer. C'est ça qui fait que les dons ne se développent pas parce que les gens, on voit quelque chose, il ne faut que bloquer. Dis ce que tu as dit. Ne craignez pas de vous tromper. D'accord? Il faut dire. En fait, s'il faut dire là, c'est beaucoup, hein. Dis. Non, j'ai commencé à écrire, mais c'est beaucoup, c'est chaque jour, c'est chaque semaine, c'est... Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. C'est le cahier de ça comme ça. C'est le cahier de ça, mon frère, regarde. Ça, c'est... Non, ben, ça, c'est pas seulement pour le Cameroun, c'est aussi pour l'église, pour la famille aussi. Tiens, bon, ne dis pas pour la famille. Non, j'ai dit pour le Cameroun, oui. Uniquement. Mmh. Donc, au Cameroun, la guerre. Mmh. Déjà, pour le Cameroun, j'avais commencé à voir ça en 2015. Mmh. Oui, 2015. Alors, pour tout était stable. Oui. Donc physiquement au Cameroun tout était stable, mais tu voyais quelque chose. Voilà, j'avais fait un songe où j'avais vu tout le Cameroun bouleversé du nord au sud et de l'est à l'ouest, nord-ouest, au point où les gens portaient leurs bagages et faisaient presque le tour. Mmh. Il n'y avait pas moyen de poser ses bagages au sol. Chacun serrait ses bagages soit à l'épaule, soit sur le sac. Mmh. Et c'était comme ça sur tout le territoire du Cameroun, ça, avec les guerres, les pousses, les fous, ça m'avait tellement traumatisé au point où, à l'époque, je ne jeûnais pas, ça m'avait tellement bouleversé au point où j'ai commencé le jeûne. Parce que je trouvais toujours un prétexte pour ne pas jeûner. Oui, mais le songe-là, ça m'avait traumatisé. Et quand j'ai fait ce songe-là, 3 jours après, Boko Haram a commencé à attaquer le nord. Voilà. Et ça a commencé comme ça, petit à petit, et après, en 2016, le Nord-Ouest est entré. Donc jusqu'aujourd'hui, ça ne fait qu'à aller grandissant. Oui. Donc, le dernier songe que je me rappelle concernant le Cameroun, c'est... Je pense que j'avais bien partagé ça dans le fond. Comme chez les hommes maintenant. C'est la femme dans la sainteté où j'avais vu. Excuse-moi, je cherche. Oui, je cherche. Bien que tu notes. Il faut toujours noter. T'es que tu notes là, d'accord? Après, quand on va finir, quand l'arrestement a arrêté, tu ouvres maintenant la page qui me concerne, d'accord? Ah, il y a beaucoup de phrases qui te concernent. Il y a beaucoup de fois qui te concernent, beaucoup de fois. Donc, c'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit pour comprendre tout ça. Oui. Donc, celui-là, c'est où? Ouais. Ça, c'est l'agenda. Elle a l'agenda prophétique du Cameroun. C'est pas l'agenda là-bas, frère. Wow. Tout ça. Tu vois que ce qu'elle fait là est bien parce que même si elle brûle pas, tu vois qu'elle a de consulter. Mmh. Désolé, quand vous voyez quelque chose, écrivez. Ouais. C'est pas facile. Quand moi, il voit, j'écris. En tout cas, c'est pas facile. Je ne suis pas bien de ma vie, aujourd'hui. Si, si. C'est ouais, ça, ici, en fait. Je vais vous montrer le délai, comment j'écris toutes ces choses là-dedans. Toutes ces choses là-dedans. C'est comme, par exemple. J'écris combien j'écris ou je codifie. Quand je codifie, je vois quelque chose, je vois avec le trait que j'ai transmis, c'est que je vois les prophéties, telle chose. Le temps que la sœur cherche, c'est comme le songe qu'elle racontait tout à l'heure. Avant, ça allait faire un songe sur le feu et quand elle parlait, le feu mais je ne sais pas si c'était. Il faut aussi que tu nous expliques ça. Comme si on était en train de dormir entre le sommeil et l'éveil. Mmh. Quelque chose se passe. Mmh. Mais le corps veut quitter pour aller écouter. Oui. Bon, j'ai fait un songe comme ça. Avant qu'elle me couche, il me recouche parce que quand ma dame s'éveille, je n'ai pas fermé la porte. Mmh.
je viens et dis non, je dois d'abord retenir le songe. Je suis convaincu que j'ai retenu le songe. C'est ça. Et par exemple, il y a d'autres songes où tu t'élèves. Ma soeur, tu as trouvé, tu m'arrêtes. Non, pas encore. Il y a d'autres songes. Attends, quand tu écris avec les dates. Oui. Tu écris les dates, tu traces. Tu peux mettre, tu regardes, chaque fois quand tu écris, tu peux mettre un titre. Il s'agit du Cameroun, tu songes le Cameroun. Parce que le Cameroun est un jour. Tu mets un grand titre pour pouvoir te rappeler. Si c'est des troupes, tu mets pour. Si c'est quelque chose de dit, tu mets des tests, c'est le président, tu mets le président. Et si elle ne connaît pas que c'est la tête physique. Elle va voir ce qu'elle a dit. Si elle voit ce que c'est, c'est continuer. Elle donne un titre. Au revoir, Karina. Parce que parfois, tu fais un son, tu te lèves, tu écris. Moi, par exemple, j'ai un sommeil difficile. Je ne dors pas profondément. Donc, quand je me lève déjà pour mettre un songe, ce que je faisais souvent avant, je faisais des audios. Mais jusqu'à là, ce n'est pas facile. Parce que même dans les audios, quand parfois il écrit, il constate que ça n'a pas de sens. Et puis ça commence tout. Dès que j'écris, après pour dormir, c'est un problème. Je commence à pleurer. C'est au moins une heure de temps de retourner sur le lit avant que le sommeil ne va pas. Et tout ça a commencé à faire que commencer à faire confiance au Seigneur seulement dans les songes là. De telle manière que la meilleure solution c'est d'écrire. Il dit simplement que ce n'est pas facile. Écris les songes aussi à chaque fois. Par exemple, moi, j'aime pas quand il ne fait pas des sons. Pareil, quand il ne fait pas des sons, les jours suivants, il y a des conséquences. Parce que ça vient trop. Et quand ça vient trop, ça me réveille. Parce que si à chaque fois il me réveille d'un son, je ne parle pas à quelque chose. Il est peut-être à l'autre, avec elle revient. Il fait encore un autre pour finir. Dans une nuit, j'ai fait peut-être 10 sons. Je fais comment de tout ça. Si tu fais une journée, il faut que 10 sons. Tu vas te réveiller. Plus de choses vont commencer à se normaliser. Oui, j'ai remarqué ça. Quand plus j'écris, plus ça vient de son ordonnée. Voilà. Peut-être c'est ça. Oui, c'est lui. À d'autres personnes, Dieu donne le songe, il ne donne pas. Quand on ne prend pas garde, on néglige, il ne donne plus. Parce que c'est que ça nous donne. Il est 8000 ans dans les Saintes Écritures, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. On ne jette pas l'or au pouceau. Donc, quand tu sens une perle précieuse, tu sais que par le songe, Dieu passe par le canal, par moi, il passe par le canal. Parce que Daniel, ça passe le songe. Joseph, ça passe, c'est le songe. Alors c'est différent de l'autre prophète qui vient parler, ça ne sait pas, tu vois cela. Donc, ça n'est juste hier, j'ai parlé des ça c'est aujourd'hui, c'est hier, les guérisons. Quelqu'un qui sait que le truc de guérison va voir là où on parle de guérison pour savoir ce qu'il fait. Donc tu vois, le songe. J'ai vu quoi, après tu vas taper la tête, dire qu'est-ce que j'ai vu. C'est pour ça qu'il fait tout et tout, tout et tout. Je ne me lève pas du lit sans m'être réveillé. Quand je me réveille, il faut que je sois d'abord éveillé pour me lever. Tu vois cela, jusqu'à ce que j'ai pris les choses. Parce que la seule chose, c'est le détail. Dès que tu prends que, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la Côte d'Ivoire. Puis reste tranquille. Jusqu'à ce qu'il voit ce que j'ai vu. Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y avait un couloir. Oui. C'était âme. Le sujet, c'était quoi? C'était telle personne qu'on a arrêtée. Maintenant, je continue à plonger les regards jusqu'à ce qu'il voit tout le détail. Tout le détail. Pendant que ça nous voit, c'est son enregistré. Tu as vu cela? Dès que l'entraînement est terminé, c'est pour ça que vous faites, je peux parler, on peut voir une autre couleur où vous n'avez pas parlé. C'est comme ça. Tu as trouvé ma soeur? Oui, j'ai trouvé quand même deux. Allons-y. Voilà. Donc, le premier, c'est. J'ai dit, dans une autre partie du songe, j'étais à une cérémonie de prière où le président de la République du Cameroun devait assister. Quand la salle était prête et qu'il a fait son entrée, un commandant est venu fixer le drapeau devant lui et la fanfare a entamé l'hymne national. La chanson était tellement émotive qu'elle s'est transformée en danse. Toute la salle s'est mise à sauter, chanter, acclamer en poussant des cris de joie. Un tambour s'est échappé et est allé au pied du président. Un de mes voisins ici au Maroc est allé prendre le tambour et était en train de frapper devant le président. C'est où j'ai sursauté. La suite, ma soeur. Non, l'autre là s'est arrêté là. Oui, l'autre songe, c'est. J'étais au Cameroun au niveau du carrefour. D'un carrefour qui ressemblait au rond-point Minesup, en allant vers monter à Bia. Là où le prince a vu tout à l'heure, où il a dit les gens de l'armée.
Voilà. Parce que alors, il y a en même temps le premier ministère de ce côté-ci, le ministère de l'Étonne de ce côté-ci, le bas de verre de ce côté-là, à bien de ce côté-là. Voilà, c'est le même rond-point. Mm-hmm. Donc là, il y avait des troubles et les soldats étaient cachés dans le caniveau. Tu as vu, donc, quand le bus dans lequel je me trouvais s'est arrêté dans ce carrefour, les militaires sont sortis des caniveaux et sont entrés dans le bus. Ils ne nous ont pas fait du mal avec leurs armes, mais ont effectué des fouilles et sont descendus. Donc ça, c'est les deux que j'ai déjà trouvés. Bon, vous pouvez continuer maintenant que j'ai cherché les autres. Donc ça arrive depuis des années. Et nous ne sommes pas les seuls. Il y a plusieurs personnes, plusieurs endroits du monde où Dieu a averti pour le Cameroun. Pourquoi Dieu parle de cette façon-ci à plusieurs personnes sur ce seul pays-là? Voilà, voici celui que j'avais partagé avec Michel Lefa. Donc, on était dans une conférence, un débat, et il y avait le ministre Jacques Femme Dongo qui était en face, qui était en face-to-face avec un autre ministre que je ne connais pas. La conférence avait lieu dans un endroit qui ressemblait à la tribune du 20 mai, boulevard du 20 mai, en vue de l'élection présidentielle. Et au final, c'est l'autre qui ressemblait à un de mes voisins qui a remporté. Dans une autre partie du songe, j'étais dans un grenier et c'est sur ce grenier que les grands boss viennent commander les tissus pour décorer le fond du cercueil des gens de leur famille. Le président sud-coréen est venu pour faire une commande extraordinaire, donc une grande commande, et le vendeur n'arrivait pas à entrer cela dans le système car les dimensions étaient trop grandes par rapport aux articles du système. Alors le président sud-coréen s'est mis en colère et a dit qu'il s'agit des tissus pour lui et pour son capitaine, et qu'il est en train de parler en parabole. Cette commande extraordinaire, c'est l'ensemble, donc ça c'est l'explication de sa part, c'est de ce qu'il disait en parabole. Cette commande extraordinaire, c'est l'ensemble des éléments que son capitaine et lui doivent coordonner pour maîtriser le facteur temps et naviguer paisiblement. Donc quand il a dit cela, j'ai aperçu effectivement un fleuve et un bateau qui y passait. La suite, en descendant du grenier, j'ai vu un style de raisin de couleur blanche. J'ai pris un pour goûter et je ne me rappelle plus de son goût. Donc, dans une autre partie du songe, j'étais sur la... Ça, c'est le même songe, mais pas dans le même grenier où j'étais. Mais qui a le trait, qui est en relation avec... Le président du songe. Voilà. Donc, dans une autre partie du son, j'étais sur une route qui mène chez ma grande sœur. Et non loin de sa maison, on m'a fait comprendre qu'il y avait un marché du soir sur la colline. Je voyais les gens qui montaient avec les ignames sur le plateau, d'autres les légumes. En montant au marché, j'ai bien regardé le visage de mon voisin qu'on m'a fait comprendre dans l'autre partie du songe qui ressemblait au futur président de la République. Ce voisin dont tu parles, il est au Cameroun, il est ici. Le voisin dont tu parles, non, le voisin, s'il est au Cameroun, il est à Bafoussam. À Bafoussam. Et son visage est comment? Je vais décrire ça comment? Puis c'est toi qui connais. C'est difficile de décrire. Mais avant ça, mon frère, je sais que le futur président, là, il est grand de taille. J'avais d'abord vu sa taille. Il est de couleur, il est sombre. Oui. Comme je suis comme ça. Oui. Et que ça va ton voisin? Il ressemble à mon voisin, mais je ne sais pas comment je vais décrire le visage de mon voisin. Si j'avais sa photo, je pouvais le voir. Le visage, tu fais la parallèle. Non, il ne peut pas accepter qu'on le filme, par exemple. Attends, tu vas atterrir chez quelqu'un et dis que tu vas le filmer. Il ne va pas accepter, il va te dire, mais pourquoi tu veux ma photo? Nicole était comme moi. Plus gros. Je ne sais pas. Plus que moi. Puisque tu es son voisin. Ouais. Donc. L'autre, mon frère, pour le Cameroun. C'est trois. C'est beaucoup. Bah non, ce ne sont. C'est beaucoup, les sons comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire donc si le Seigneur donne toutes ces choses pour le pays? Vous montrez depuis des années, nous montre que les troupes qui arrivent
prévient tout cela. Est-ce qu'on prend garde? Est-ce que les gens qui sont aux commandes savent qu'en réalité ils sont assis sur des chaudrons ou bien encore que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau? Et quelle est l'implication donc pour les gens qui sont des croyants? Pour qu'ils comprennent que Dieu vient de montrer que telle chose va arriver. Il dit telle chose, il dit telle ou telle chose. Donc voici un autre aussi concernant le Cameroun. J'étais dans une zone marécageuse du Cameroun où il y avait la guerre et j'étais descendue sur le champ de bataille. C'est comme si l'armée adversaire était de la race française et ils ont utilisé une technique extraordinaire pour attaquer. Ils ont versé une citerne d'eau sur un endroit avec la pente et la terre boueuse. Et la terre boueuse s'est détachée pour se verser sur les soldats. Donc, je ne me rappelle pas avec qui j'étais sur le terrain. Je me souviens tout simplement que j'étais au milieu des soldats avec ma tenue et mon arme, bien que je ne tirais pas sur qui que ce soit. Oui. C'est, pour ça que tu as, c'est ça qui t'a fait penser à Bakassi une fois. Oui, c'est ça. Bonsoir au Maroc. Bonsoir, Frère Junior. C'est bon, non? Que le Seigneur vous bénisse.